Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour quelques derniers achats. J'ai des achats jeux vidéo et une petite clé Disney à vous présenter, on va pouvoir voir ça de suite. J'ai trouvé deux nouveaux Hello Kitty Matcha. Je vous avais déjà présenté celui qui était rose comme ça, mais dont le nœud était tout rose aussi, que j'avais pu avoir à mon anniversaire. Et j'ai trouvé ces deux-là pour 85 € les deux, ce qui est un prix hyper raisonnable. Ce sont des petits Tamagotchi qui datent des années 2000. Ils sont très mignons, aux couleurs d'Hello Kitty. Il y a donc celui-ci qui est rose avec le petit ruban rose, et celui-ci qui est blanc avec le petit ruban rouge. Ça me fait donc 3 avec celui que j'avais déjà. Il m'en manquera un pour tous les avoir et je suis vraiment contente parce qu'ils sont très mignons. On passe ensuite à cette nouvelle clé exclusive au parc d'attractions Disneyland qui était vendue donc sur une seule journée comme d'habitude. Je l'ai trouvée pour 50 € sur Vinted. Il s'agit de la WEEB Worldwide Engineering Brigade qui est donc une clé Spider-Man qui est sortie donc pour l'ouverture des nouvelles attractions Marvel l'été dernier, notamment l'attraction Spider-Man. Donc on retrouve tous les codes de Spider-Man tout simplement avec des petites araignées mécaniques. Pas forcément ma préférée, mais bon, elle vient s'ajouter à la collection. Il faut dire que je suis pas super fan de Spider-Man. C'est dans les personnages Marvel qui me passionnent le moins. Mais voilà, une petite clé de plus à ajouter à ma collection. Et donc voilà pour les brèves réceptions d'aujourd'hui avec ces deux nouvelles petites consoles et cette nouvelle clé. Dites-moi si vous les connaissiez, je vous ai repartagé mon post dans ma story Instagram si jamais vous avez envie de redécouvrir ce que c'est que ces petites consoles. Et dites-moi si cette clé vous plaît. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.